Bonjour, chers disciples. Bonjour, cher Makeo. Profitons encore d'aujourd'hui. La nature nous a accordé un autre mardi. Profitons pour gagner beaucoup d'enseignements dans la nature et sur le chemin de l'œuvre divine. Avant de parler de l'ère du Verseau, comme la question a été posée, je vais d'abord parler, posée par un Makeo, je vais d'abord parler, c'est pourquoi je vous ai envoyé le lien, de l'enseignement que j'ai reçu à Accra, quand j'ai visité le tombeau de Kwame Nkrumah, docteur Kwame Nkrumah, qui était un grand panafricain. Quand il fait jour, vos obélisques vous enseignent que il faut garder vos émotions positives. Il faut garder votre aura positive. Pour cela, évitez les personnes incoloreuses, les personnes pleines de stress, les personnes qui sont très douées dans les calomnies et surtout ceux qui ne veulent pas faire des efforts. Analysez ces personnes parce qu'on vous a appris à lire entre les lignes. Oui, comme je le disais, on vous a appris à lire entre les lignes. Et vous devez exploiter cela. Sinon, à quoi sert de payer de l'argent pour vos enseignements spirituels, pour votre initiation, si vous n'appliquez pas ce qu'on vous a enseigné? Je vous ai toujours dit, quand une personne prend la parole, ne vous concentrez pas trop sur ce qu'elle est en train d'enseigner. Analysez son ton vocal. Analyser sa vie pour voir qu'est-ce que la personne fait de sa vie. C'est par là que je vais vous donner la leçon que j'ai reçue à Accra. En fait, beaucoup de choses j'ai reçues, mais cette leçon, elle m'a vraiment touché. Quand nous avons été conduits par le touriste, le guide touristique, puisqu'il parlait l'anglais, il fallait un traducteur, j'ai rencontré à Accra, là-bas, un Ivoirien vivant en Angleterre, qui est aussi venu pour cette visite, mais pour d'autres c'est un pèlerinage. Parce que nous étions allés, je suis allé avec certains élèves, certains de mes disciples, en termes de pèlerinage, parce que pour nous, aller dans un musée privé, vous savez que je vous ai déjà dit, il y a une vidéo spéciale où j'ai fait une émission spéciale avec le journaliste Salif Ledou, où je vous ai expliqué clairement que dans le musée privé de Kwame Nkrumah, docteur Kwame Nkrumah, il y a des endroits où on filme, des endroits où on n'est pas autorisé à filmer. D'où je disais même que, désormais, le pèlerinage obligatoire pour nos élèves, ce n'est plus seulement au Tchad et au Togo ici, mais c'est maintenant le Ghana fait partie. Parce que ce qu'on a appris dans le tombeau de Kwame Nkrumah, tout élève africain qui appartient à notre école Ambiam doit, d'une façon obligatoire, aller sur cette tombe. Donc, voici ce que j'ai appris de ce monsieur. C'est un Ivoirien, il vit en Angleterre, il est venu aussi pour cette visite. Quand on nous a présenté le tombeau, vous avez vu dans la vidéo, non, j'étais debout, dans une autre position. En même temps, à côté du tombeau de Kwame Nkrumah, il y a aussi sa femme. Sa femme a écrit ceci, parce qu'ils ont mis des proverbes que de leur vie ils ont prononcé, quoi. Des proverbes qui ont été répétitifs dans leur vie, ils ont mis ça sur la tombe
de Kwame Nkrumah et celui de sa femme. Sa femme disait ceci. Tout être humain doit apprendre de quelqu'un. C'est le premier escalier. Le deuxième escalier, c'est sa conscience. Troisième escalier, qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Donc, c'est ce que mon mari a fait de sa vie qui a fait que je veux être enterré à côté de lui. Point. C'est fini. Vous voulez que je reprenne? C'est pas si long que ça. Écoutez bien. Elle a été enterrée à côté de son mari. Vous comprenez bien ce que ça veut dire? C'est pour dire tout simplement que ceux d'entre vous qui ont encore la mémoire plus fraîche, qui lisent bien leur sanctum déguisé, il est dit dans vos enseignements, je vous ai toujours précisé ça, la chose la plus importante sur la terre, ce n'est pas l'amitié, ce n'est pas le début, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire, c'est comment on finit. Comment l'homme a fini sa vie, c'est très important. Vous avez fini votre vie comment? Mais dans la logique de conscience, on ne peut pas finir une vie sans faire. Donc, qu'est-ce que vous faites de votre vie? Si un jour, vous remarquez que moi, étant votre instructeur spirituel, je commence à dérégler, je commence à enseigner comme j'attaque quelqu'un, je commence à enseigner comme j'en veux à quelqu'un, vous devez remettre en cause mes enseignements et vous devez vous éloigner, même abandonner l'école. Parce que, je disais, parce que ce n'est pas parce que j'ai pu faire tous ces voyages, j'enseigne beaucoup de gens, toute cette réussite, que vous allez être toujours avec moi. Non, ce n'est pas ça. Vous devez m'espionner, spirituellement comme physiquement, pour vous assurer que je ne suis pas hypocrite. Oui, oui, ça c'est obligatoire. C'est obligatoire. Parce que nous sommes à l'ère de la connaissance. Ne vous laissez pas embrouiller par ceux qui ont complètement perdu leur vie. Ceux qui ont complètement échoué. Faites très attention. C'est ce que je suis en train de faire de ma vie. Je dis bien faire au sens propre. J'ai dit une chose que je vais répéter encore ici. Parce que cet enseignement de cette matinée, je vous autorise, ce n'est plus sur le sceau du secret. Je vous autorise à publier ça avec vos amis, même sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas un enseignement sur le sceau du secret. On peut partager avec les amis pour que chacun puisse partager et avoir ses connaissances. Parce que chaque jour, nous devrions copier des connaissances et nous améliorer dans ce qu'on fait quotidiennement. Donc, observez ma vie pour vous assurer que je ne suis pas en train d'insulter les musulmans alors que je suis à la mosquée. Je ne suis pas en train d'insulter les chrétiens alors que je suis à l'église. Je ne suis pas en train de renvoyer tous les musulmans et les chrétiens alors que je ne suis même pas un exemple. Oui, écoutez-moi attentivement. Parce qu'on ne peut pas écouter une personne sur une seule vidéo, sur un seul enseignement, il n'y a pas de réseaux sociaux, et en même temps décrire que la personne est ceci. On ne peut pas voir une personne, par exemple, tête rasée, et dire que non, il copie tous les têtes rasées. C'est un peu idiot. Il faut connaître une personne en profondeur, avec sagesse, avant de prétendre. Donc vous devez m'analyser. Dès que vous remarquez que je ne suis plus ce que vous croyez, vous devez, comme il vous a autorisé lors de votre inscription, vous êtes autorisé à quitter l'école à tout moment, quand vous ne vous sentez pas bien. Moi, je l'ai toujours fait, parce qu'il faut être vous-même. Si vous n'êtes pas vous-même, être dans ce groupe ici, Telegram et WhatsApp, écoutez les enseignements alors que vous n'êtes pas vous-même, vous n'allez pas être heureux. Vous devez être capable de quitter le groupe. C'est qu'on a dit que pour montrer que vous voulez abandonner l'école, vous ne voulez plus de nos enseignements, vous quittez le groupe. Ça montre que ce qu'on enseigne, ça ne vous intéresse plus. Oui, oui, c'est la liberté. Cette liberté, elle est très importante. Vous gardez le silence total et à un moment, vous quittez le groupe. C'est très important, c'est votre droit. Ce droit, c'est d'ailleurs même, c'est un principe sacré chez nous, c'est un trident. La liberté est un droit divin. Je reprends, la liberté est un droit divin.
Donc, pour terminer, avant d'attaquer l'ère du Verseau, nous sommes africains et nous devrions copier les anciens droits d'aînesse. C'est très important. Les respecter et les écouter attentivement et voir ce que nous pouvons tirer des anciens. Nous connaissons beaucoup d'anciens qui ont vu le jour avant nous, qui ont donné beaucoup d'enseignements. Il y a sa sainteté, Kalala Oumoutoundé. Lui, il n'est plus de ce monde parce qu'il a confronté les Blancs directement. Mais il y a ceux qui ne sont pas lâches quand même, mais ont voulu faire de leur manière. Tout le monde a sa manière. On ne doit pas reprocher quelqu'un sa manière. Mais nous devrions dire l'Afrique d'abord. Comme disait Diondo, le plus puissant, l'un des plus puissants de Togo, lors de son l'écriture de ses mémoires au siège d'EcoBank à Lomé, Diondo, qui est le grand entrepreneur qui a fondé Askai Avion, et grâce à lui, l'Afrique, la sous-région, on peut voyager facilement par avion, a dit tout ceci. Il a précisé que pour lui, les médias l'ont nommé l'homme au chapeau, que pour lui, c'est l'Afrique d'abord. Et oui, chacun doit dire l'Afrique d'abord. Et quand on dit l'Afrique d'abord, on doit s'enseigner, on doit se copier, parce qu'aucun individu sur Terre ne peut avoir un enseignement unique du ventre de sa maman. On se copie et on s'améliore. Mais l'arrogance et l'humilité nous conduit vers l'échec. Et l'échec, là, veut dire que comment on finit notre vie. Comment on finit notre vie. L'arrogance, l'orgueil nous conduit automatiquement à l'échec. Mais moi, je vous dis en toute sincérité, par mon niveau d'illumination, moi, je peux vous dire que si aujourd'hui, étant élève, et votre orgueil, votre arrogance vous a conduit à l'échec, moi je vous dirais, il y avait ça en vous il y a longtemps. Oui, oui, il y avait ça en vous il y a longtemps. Donc à vous de faire de sorte que ces choses disparaissent de vous, tout de suite, rapidement, pour avoir accès au bonheur. Et vous savez, la seule chose, c'est la sincérité. Si quelqu'un vous a été utile, soyez sincère. Soyez sincère. Et être sincère ne veut pas dire forcément de parler, mais dans votre attitude et comportement. C'est très important. C'est ce qui est déjà en vous qui vous conduit à l'échec. Je reprends. C'est ce qui est déjà en vous qui vous conduit à l'échec. Donc, si quelqu'un vous énerve, quelqu'un ne vous a pas énervé, on a juste touché ce qu'il y a en vous. Soyez capable d'être humble, de sorte que l'extérieur ne peut pas vous bousculer. L'extérieur ne peut pas vous bousculer. Rappelez-vous que c'est la finalité qui est importante. Comment on finit sa vie. Donc, apprenez à lire entre les lignes. Ça fait partie des enseignements les plus importants. Le plus important chez nous, apprenez à lire entre les lignes. Qu'est-ce que ça veut dire, apprendre à lire entre les lignes? Ça veut dire que en lisant un roman, en écoutant quelqu'un parler à la télé, en écoutant une vidéo, en écoutant un vocal, soyez capable de ne pas seulement se concentrer sur ce qui se dit, mais ce qui est caché dans les paroles. Un exemple très simple. Quel enseignement pouvez-vous tirer de quelqu'un qui... Je disais, quel enseignement vous pouvez tirer de quelqu'un qui dit « Allô, vous m'écoutez aujourd'hui dans cette émission, je vais vous indiquer les grands secrets pour avoir une belle femme et un bon foyer et être heureux. » Et vous faites des renseignements sur lui, vous vous rendez compte qu'il n'est même pas marié. Ça devait vous interpeller. Parce que nous sommes à l'ère du Verseau où tout le monde, avec la liberté des réseaux sociaux, je ne dirais pas la liberté d'expression, hein. Lisez bien le nouveau code pénal pour ceux qui disent n'importe quoi sur les réseaux sociaux et attaquent des gens, nomment des gens. Vous avez intérêt quand vous nommez quelqu'un, parler positivement. Vous avez intérêt. C'est très important. Donc vous vous rendez compte que la personne n'est même pas mariée. Alors ça devait vous interpeller mentalement et écouter attentivement ce qu'il dit pour pouvoir lire entre les lignes parce que quoi qu'on veut, quand quelqu'un entend de parler, on a forcément quelque chose à gagner. Mais il sera vraiment idiot d'accepter cette personne
de copier, de la copier alors que elle n'est même pas mariée. Elle veut vous montrer comment se marier. Et vous allez. Donc, et vous allez voir que cette personne qui n'est même pas mariée, elle va continuer en disant que, et au cours de l'émission, je vais vous indiquer comment bien éduquer ses enfants et préparer une bonne génération, une bonne transmission. Et vous vous rendez compte qu'il n'a même pas d'enfant. Et ensuite, il va dire, et à la fin de l'émission, nous allons parler de comment, hein, rendre une femme heureuse, alors qu'il n'est même pas marié. Comment tu peux rendre une femme heureuse alors que tu es encore célibataire? Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce que moi, l'instructeur spirituel, Ramsès II, je suis en train de dire beaucoup de choses sur le ciel, la terre, les océans, les scientifiques, les docteurs, qu'il y ait forcément tout ce qu'il faut pour vous. Non, non, non. Il vous est dit dans vos enseignements que, au-delà des obélisques que vous prenez chaque fin du mois, vous devez aller à la recherche de la connaissance. Et nous avons des secrets à vous transmettre. C'est pourquoi vous êtes dans notre école. Oui, sinon, pourquoi il y a les autres écoles? Ekankar, franc-maçon, beaucoup, beaucoup, alors qu'il y a les réseaux sociaux. C'est parce qu'il y a des secrets à transmettre. Des secrets qu'on vous dit sous le sceau du secret, ne les transmettez pas. Et quand vous les transmettez, on vous punit pour lancer un message qu'on doit respecter. Parce que la loi montre que le chaos n'a pas sa place. Je reprends. La loi montre que le chaos n'a pas sa place. Donc, ouvrez bien les oreilles et écoutez en lisant entre les lignes quand vous écoutez quelqu'un. Donc, je crois que chaque Africain que vous êtes dans plusieurs nationalités dans cette école, je vous invite à partager ces messages et à ouvrir l'œil sur les enseignements. Quelqu'un qui veut donner un enseignement sincère doit normalement être le modèle. Nous avons mis l'accent sur ça dans un chapitre spécial où je disais que, avant d'ouvrir votre bouche pour sermonner quelqu'un, assurez-vous d'être un modèle de ce que vous voulez dire. Ce n'est pas pour enfreindre une loi physique, hein, ni embêter quelqu'un, non. C'est un principe divin. Parce qu'on ne peut pas duper l'invisible. On peut duper un animal. On peut duper l'être humain. On peut duper les êtres humains. Mais on peut même duper les êtres sur Terre. Mais on ne peut pas duper le monde divin. C'est pourquoi il faut de la sincérité dans votre aura. Il faut de la sincérité dans vos paroles. Et vous allez voir que le jour où moi, Ramsès II, Raramesu II, je commence à enseigner comme si je suis en concurrence avec quelqu'un. Bref, quand vous sentez ma colère, mon ego, mon arrogance, vous devez quitter le groupe parce que je ne vous plais plus. C'est ça la liberté. Mais si vous êtes là parce que vous voulez me plaire en étant dans le groupe, vous allez vous nuire. Parce que je vous ai dit, moi je peux passer par les réseaux sociaux pour influencer quelqu'un. Oui. Je peux aller sur les réseaux sociaux comme ça, envoûter quelqu'un. Parce que les réseaux sociaux, c'est une toile d'araignée. C'est des vibrations. Donc, pour entretenir vos émotions, votre aura, vous devez être capable de quitter un groupe dans lequel vous sentez que vous êtes toxiqué émotionnellement. Moi, je peux être dans un groupe toxique, par exemple, mais je ne veux pas quitter. Je ne veux pas quitter. Ou je ne veux pas quitter. Parce que je maîtrise mes énergies. Je maîtrise mes émotions. Je vois mon aura. Donc, ça ne m'inquiète pas. Mais vous, surtout, les Makeru, les disciples, vous n'avez pas encore ouvert votre troisième œil. Vous n'avez pas encore cette sensibilité. Je vous conseille, quel que soit le groupe dans lequel vous êtes, mais dans notre groupe, à la seconde où vous ne vous sentez pas bien, la première des choses à faire, c'est de vous aimer vous-même. Et pour aimer vous-même, il faut quitter le groupe. Pour quitter le groupe, ce que vous avez jugé que non. Avec telle manière d'enseigner, je ne me sens plus bien. Et c'est un droit divin de quitter le groupe. C'est de la même manière pour nos associations, pour les entreprises. Je connais des gens qui ont changé de nationalité parce qu'ils ne se sentent plus bien. Je disais avant-hier même dans une vidéo sur TikTok, il y a une star bientôt qui va changer de nationalité. Une star, hein, que nous aimons au Togo. Va changer de nationalité. C'est-à-dire la personne va quitter le Togo parce que ça ne lui plaît plus. Donc, soyons prudents et évitez d'être inutilement populaire. Je dis bien, évitons d'être inutilement populaire.
Et quand je dis ça, vous devez pouvoir lire entre les lignes. Vous avez vu ma chaîne TikTok, j'ai 12 000, bientôt 13 000 abonnés. Mais dans le mois, vous n'allez pas me voir faire live deux fois. Même le mois passé, je n'ai même pas fait. Mais les gens font live chaque jour. Mais ils ont leur raison, c'est bon. Mais nous, nous sommes là pour enseigner, pas pour désorienter les gens. Vous savez que quand on fait live, on a encore beaucoup d'abonnés, on est bien écouté. Mais moi, je ne fais même pas. Parce que je m'occupe de ma famille. Je m'occupe de moi-même. Je m'occupe de la nature. Imaginez que je ne m'occupe pas bien de moi. Mais je vais échouer sur beaucoup de choses en ce qui concerne mon aura et mes émotions. Chaque matin, moi, j'embrase 15 km pour rejoindre ma montagne préférée. Pour apprendre encore de la forêt, des cailloux, de la montagne, des génies de la forêt, tout, tout, tout. Écoutez bien. Vous entendez? C'est les oiseaux. Je suis loin de la route. Vous n'entendez que les oiseaux, la nature. Chaque matin, je le fais. Cette matinée, j'arrive, je venais sur la route. Un chauffeur a sorti sa main comme ça. Et ça dit, le chauffeur a fait signe de, ça dit, ralenti, ralenti. Parce que lui venait déjà. Donc, assez, il voulait serrer vers moi un peu ça. Je n'ai pas remarqué. Bon, et j'ai ralenti. Parce que bon, je ne file pas comme ça. Puisque c'est une route sympa, puisque c'est hors agglomération. Donc j'ai ralenti, et c'est là que je me rends compte qu'il y avait des trous, il y a beaucoup d'eau. Puisque depuis hier, il pleut seulement. Et il a serré sur moi, il a continué, et il a fait pipi, on a fait pipi. Et j'ai dit, voilà, ça c'est un bon chauffeur. Si ce chauffeur-là était un chauffeur arrogant, qui se croit vraiment chauffeur international, ou il n'a rien à enseigner, ni quoi que ce soit, il n'allait pas être humble pour me dire de ralentir. J'allais juste serrer. Et j'allais plutôt en même temps vite serrer et commencer à gronder comme tout le fond sur la route. Mais il a, de loin, il m'a déjà fait signe. Et c'est là que je me rends compte que non, c'est parce qu'il voulait serrer. Donc je crois que. Donc il voulait serrer. Je crois que nous devrions apprendre à être simple. La simplicité permet de ramener ce qui ne vous aime plus. Oui, oui. La simplicité permet de ramener ce qui ne vous aime plus. Parce que l'être humain doit avoir le droit divin. Et quand vous accordez le droit divin, vous-même, vous aurez le droit divin. Donc, quand il fait jour, rappelez-vous que l'ère du Verseau, c'est l'ère de la connaissance. Et il y aura beaucoup d'air. Hein. Il est précédé par l'ère du Poisson, que vous connaissez. Maintenant, l'ère du Verseau. Et chaque ère dure longtemps, très longtemps. Donc, vous avez déjà les préceptes dans vos enseignements. Et chaque ère aura son lot de tribulations. Donc, il faut savoir utiliser la connaissance. Quand vous ne savez pas utiliser la connaissance, vous allez vous ridiculiser. Vous allez en train de dire quelque chose, sans savoir que tous ceux qui vous écoutent ont déjà cette demi-vérité au-delà. Oui, il y a des gens qui disent des demi-vérités, qui disent qu'ils sont dans la vérité. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, allez-y chercher la connaissance selon votre niveau de conscience. Si vous voulez aller au-delà de ça, sans vous surveiller, vous allez vous créer beaucoup de problèmes. Et ces problèmes vont aller à tous les niveaux, au niveau des génies, au niveau de la divinité, au niveau des dieux, au niveau du Seigneur des karmas et au niveau des autorités. Et quand c'est au niveau des autorités, vous serez éteint comme une cendre. Comme la cendre, alors que vous avez été utile. Dans votre famille, on sait que dans la famille, c'est telle personne qui a aidé tout le monde. Mais à un moment, on vous oublie complètement. Parce que votre finalité a été brutale et dangereuse. Vous comprenez pourquoi la finalité est très importante. Et on doit entretenir son rang et la finalité. Et non toujours se mettre à attaquer hein, les frères, les petits frères, les grands frères de la famille, à attaquer sa femme, à attaquer ses collaborateurs, à attaquer hein, ses amis, à attaquer ses collaborateurs, vous allez payer de ça. Ne passez pas votre vie à attaquer. Si vous voulez avoir des promotions, vous voulez être compris par quelqu'un, vous voulez être comme vous apprécie, quoi que vous voulez dans la nature, n'utilisez pas les attaques pour l'avoir. N'utilisez pas les attaques pour l'avoir. Parce que, rappelez-vous encore, j'ai dit, apprenez à lire entre les lignes. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui a
trahi le roi et la princesse. Et le roi et la princesse ont été décapités. Et on fait venir un nouveau gourou, un nouveau Nico. Vous connaissez Nico, non? Dans un film spécial. Vous allez voir que Nico ne fera pas confiance au dernier. Il peut tout faire. Nico fera tout possible pour l'anéantir un jour. Parce qu'on ne fait pas confiance à quelqu'un qui trahit. C'est de la même manière, on ne fait pas confiance à quelqu'un qui passe tout son temps à attaquer les autres, à insulter les autres, à dire que celui-ci il est dans le mensonge. Non, celui-ci, il est dans le vrai. Non, ce n'est pas ça. Quand on dit Afrique d'abord, ça veut dire que cherchons la connaissance et orienter les Africains. Sinon, quelle est votre part? Si votre famille n'est pas équilibrée, alors abandonnez la spiritualité. C'est pourquoi vous allez voir qu'à un moment, il y a des gens qu'on sort du groupe. Parce que, bon, c'est pas que c'est nouveau. Vous savez que dans votre signature, pour commencer, il est dit, nous aussi, en tant que responsables de l'école, nous avons le droit de sortir un élève qui n'est plus utile à l'école et à la société. En tout cas, selon nous. Il y a des gens, vous allez voir qu'à un moment, vous allez voir qu'à un moment, ils passent tout son temps à en vouloir les autres. Ils passent tout son temps à en vouloir les autres. Ça, c'est dangereux. Si vous continuez à suivre cet homme, cette dame, cette association ou ce groupuscule, eh bien, préparez-vous à être choqué de votre vie. Parce qu'il n'y a pas plus important que d'observer quelqu'un attentivement. C'est pourquoi on dit, vous voyez, dans la région où je suis là, on appelle notre ville Tchaoudio. C'est-à-dire ce côté, mais Tchaoudio, ça dirait en tant qu'autochtone, quoi. Tchaoudio. Vous savez ce que ça veut dire? Tchaoudio veut dire Tchaoudio. C'est-à-dire, rester chez lui pour le connaître, quoi. C'est comme chez nous, on dit, Bendandara, Alan Mbombo, Noué. Plenye Mboya, Alan Béan, Noué. C'est-à-dire, c'est quand tu es proche d'une eau sale que tu peux en sentir mieux l'odeur. Quand tu es loin, tu ne sens pas l'odeur bien. Tu vas te tromper. Donc, avant d'être sincère avec quelqu'un, avant de confier des millions à quelqu'un, ou bien votre vie privée à quelqu'un, vous devez pouvoir faire confiance à la personne en la connaissant mieux d'abord. C'est pourquoi je vous conseille toujours d'approcher les gens bien avant de leur confier quoi que ce soit. Sinon, il y a des gens qui vont utiliser votre vie privée, même sur les réseaux sociaux, même publiquement comme ça, facilement, sans avoir peur, comme s'ils sont des dieux immortels. Des dieux intouchables, ils vont catapulter comme ça votre destinée dans le néant. Soyez prudents. Donc, moi qui embrase des kilomètres pour faire mon travail, je ne peux pas laisser comme ça facilement quelqu'un dérouter mon aura. Pour que votre aura ça soit très puissant, je vous ai déjà dit dans vos enseignements, vous connaissez mon logo, non? Mon logo le mute encore. Je vous ai dit, moi, il est impossible qu'un sorcier utilise mon image. Ce n'est pas possible. Avant de réussir, je dois mourir d'abord. Tant que je suis vivant, ce n'est pas possible. Parce que mon logo est un logo qui a été bien travaillé. C'est pourquoi vous me voyez dans ma tenue bizarre. Là. C'est un mutant corps. Ça s'appelle un mutant corps. C'est une tenue sacrée. Et on vous a déjà expliqué comment c'est devenu sacré. J'ai déjà même expliqué dans une vidéo spéciale tout. Puisque tout, c'est carrément un pentacle. Donc aujourd'hui, nous avons des tricots, nous avons des Lacoste qui circulent déjà. Les gens ont acheté, ils portent. Et se sentent bien. Parce que nous avons mis sur ça la véritable lumière divine, la véritable amour. Oui, tant que vous ne maîtrisez pas l'amour, il est difficile de comprendre la spiritualité. Donc si je veux parler de... Moi, on ne me rêve pas n'importe comment. Ou bien, on ne peut pas utiliser mon image. C'est pour vous dire que quand vous me rêvez, c'est très significatif. C'est très significatif. C'est moi, je vais vous dire un message. Ou c'est une entité de lumière qui veut vous dire un message. Donc, cherchez à comprendre ce rêve. Parce que c'est un rêve qui doit normalement être un message, un rêve très positif ou un présage à comprendre. Parce que j'entretiens bien qui je suis. Et je ne suis pas sur terre pour de la rigolade. Le peu que j'ai, vous me voyez déjà. Je ne suis pas quelqu'un
comme le journaliste l'a dit, on me voit divin, on me voit spirituel dans mon domaine, mais je suis toujours dans la société avec tout le monde. Et oui, c'est ça la vie. À quoi sert être vraiment important si on ne peut pas approcher des êtres humains? Tu vois, quand on dit des fois même, les milliardaires ne peuvent pas être avec nous. Et vous avez déjà vu, par exemple, je peux le nommer, puisque c'est pour parler de positivité, vous avez déjà vu Adebayo dans un restaurant? Et non, il ne peut pas. Vous avez déjà vu notre président dans un restaurant comme ça? Non, il ne peut pas. Ton rang, à un moment, ton rang t'oblige à ne plus être sociable. Parce que tu as peur d'eux. Mais la véritable réussite, c'est d'être capable d'être assis avec un enfant. Parce que l'enfant enseigne beaucoup à un barbu.